Salut YouTube! Vous avez toujours voulu tout savoir sur les jeux FDJ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Je vais vous présenter tous les types de jeux FDJ de manière synthétique parce que c'est un peu la jungle. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance pour gagner un gros lot. Déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Et généralement, ce sont les habitués qui gagnent ou les simples gens de passage, j'allais dire. En règle générale, vous serez perdant. Seuls les très chanceux et chanceuses toucheront le jackpot. Ce que je conseille, c'est jouer de façon plus ou moins régulière, sans essayer de se ruiner, bien évidemment, car les chances de gagner sont très faibles. Et sans s'acharner. Alors, pour les jeux FDJ, on a les jeux de grattage en point de vente qui peuvent être présents aussi en ligne, les jeux de tirage en point de vente qui peuvent être présents aussi en ligne. Alors on va détailler aussi tout ça, sans trop rentrer dans le détail. Les jeux de tirage et grattage en ligne spécifiques avec le Super Jackpot. Les jeux de pronostic sportif, Parion Sport, Loto Sport, mais pour ce dernier, je ne fais que le citer, car c'est mieux de s'y connaître pour jouer des gris. Encore que, des fois, on peut jouer au pif et peut-être gagner. C'est déjà arrivé l'année dernière, me semble-t-il. Je posterai tous ces récaps et copies d'écran sur mon compte Facebook prochainement, avec les liens des règlements, comme d'hab. Vous pouvez vous abonner et le but en fait c'est de poster des infos utiles pour mon compte Facebook et intéressantes, par exemple les gros gagnants ou des expériences de jeu. Voyons d'abord les jeux de grattage en point de vente. En moyenne, la FDJ nous indique sur l'ensemble de ces jeux de grattage que l'on a une chance sur 4 en moyenne de gagner un petit quelque chose. Évidemment, ça dépend des jeux. Une chance sur 4, ça fait 3 tickets perdants sur 4. Donc c'est beaucoup, en moyenne. En fait, ça va de une chance sur 5,59 pour Super 10 ou 200, à une chance sur 2,9 pour Mission Patrimoine 15 euros. Pas loin du simple au double, à peu de choses près. Donc ça s'affiche à l'écran. Les jeux sont triés du moins de chance tout en haut à plus de chance de gagner tout en bas. Jackpot, par exemple, c'est environ 9 tickets perdants sur 11. Cash, c'est environ 14 tickets perdants sur 19. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de tickets perdants. Millionnaire, c'est environ 7 tickets perdants sur 10. Ouais, c'est beaucoup aussi. Et Mission Patrimoine, 15 euros, c'est une chance sur 3 de gagner, donc environ 2 tickets perdants sur 3. Alors, attention, j'ai affiché une colonne avec le nom de tickets par lot, qui correspond à un bloc de tickets mis en vente. Alors, c'est quelques millions de tickets, jusqu'à 15 millions de tickets pour certains. Par contre, plusieurs blocs peuvent être mis en vente à des moments différents. Pour un même lot de tickets, enfin un lot c'est un même numéro de série. Pour le nombre de blocs, malheureusement, l'info n'est pas présente sur le site FDJ. A savoir également que, en fin de vie d'un ticket, les tickets peuvent être retirés de la vente. Oui, de retirer de la vente. Et donc, les gros lots peuvent très bien ne pas avoir été remportés. N'oubliez pas aussi que des tickets sont mis à la vente dans des machines à distribuer. Des tickets, donc, il peut y avoir des tickets gagnants aussi là-dedans. Et en ligne. Passons maintenant au jeu de tirage. Il y a moins de chances de gagner. On va détailler ça rapidement pour les premiers rangs. Alors l'euro million pour le jackpot 5 numéros et 2 étoiles, c'est une chance sur 139 838 160, ce qui est énorme. Vos chances sont très minces de gagner.
Au deuxième rang, les 5 numéros plus une étoile, une chance sur 6 991 908, avec des gains approximatifs allant de 100 000 à 500 000 euros selon le nombre de joueurs qui ont remporté ce rang. En moyenne, à ce jeu, vous avez une chance sur 13 de gagner un petit quelque chose, donc c'est pas beaucoup. Ça, c'est si vous n'avez pas coché étoile plus. Et si jamais vous cochez étoile plus, c'est une chance sur 4,8. Bon, ça fait toujours pas beaucoup. Passons à Amigo. Amigo, c'est le jeu de tirage dans les points de vente bar tabac en règle générale. Si vous avez les 7 numéros bleus, eh bien, ça fait une chance sur 184 040 de gagner. Avec un gain, toutefois, oui, faible entre guillemets, puisque c'est 25 000 euros. Si vous avez misé 2 euros, et vous pouvez miser jusqu'à 20 euros, auquel cas, ça ferait 250 000 euros. Mais qui va miser 20 euros pour un tirage? 6 numéros bleus et le numéro bonus, c'est une chance sur 33 830 avec un gain max de 600 euros, donc ça tombe très vite si vous avez misé 2 euros. Toutefois, en moyenne, c'est une chance sur 2,43 de gagner un petit quelque chose. Bon, moi j'aime bien ce jeu. Alors j'ai déjà gagné pas mal de fois des sommes allant de 100 à 200 euros. Bon, évidemment, c'est pas ce qu'on peut appeler un investissement tant qu'on gagne pas les 25 000 euros. Le loto, super loto et grand loto, les stats sont pareils. Vous, au premier rang, 5 numéros plus le numéro chance, c'est une chance sur 19 068 840, à comparer avec les 139 838 000 et quelques de l'euro million. Certes, le jackpot est généralement inférieur. Passons au deuxième rang, c'est 5 numéros, où vous avez une chance sur 2 118 760, ce qui est encore énorme. Donc très peu de chances de gagner, et en moyenne, vous avez une chance sur 5,99 de gagner un petit quelque chose. Donc ça fait pas beaucoup non plus. Alors maintenant, il y a le deuxième tirage. Alors je sais plus, je crois qu'on gagne 100 000 euros max, quelque chose comme ça. Bon, pour 80 centimes en plus, pourquoi pas. Alors, moi, c'est ce que je fais. On ne sait jamais. Ce serait dommage de perdre au deuxième tirage si on a les bons numéros. Alors, il y a d'autres jeux qui se nomment Loto, mais en ligne. Là, c'est Instant Loto. Franchement, en fait, il est similaire au Loto, normal. Et je ne vois pas l'intérêt de ce jeu, car les stats sont identiques à un chouïa près. Et la mise est de 1 euro. Pour un gain de 100 000 euros max. On ne peut pas dire qu'il y ait de vrai jackpot. Le Bingo Live en ligne. Alors, j'ai joué vraiment un tout petit peu. De ce que j'ai vu sur Internet, on parle d'arnaque selon de très nombreux commentaires qui ont été postés. Je vous laisse voir cela. Mais bon, on peut toujours tenter sa chance. On ne sait jamais, encore que. Le Keno gagnant à vie, qui a été LOL légèrement remanié, car il a beaucoup vieilli, et manifestement, ça n'attire pas beaucoup de monde ici, c'est donc simplement un coup de pub. Pour rappel, le jackpot, c'est 10 numéros, si vous voulez gagner un maximum, moins vous jouez 2 numéros, moins vous gagnerez. C'est à peu près comme ça dans tous les jeux. Donc pour 10 numéros, c'est une chance sur 2 147 181. Bon, ça va encore, hein. Mais bon, encore faut-il gagner. Un
tirage le midi, un tirage le soir. Alors on peut beaucoup dépenser et se ruiner si jamais on veut tenter sa chance. Donc faire attention. Et c'est 200 000 euros cash à ce rang ou 10 000 euros par an à vie. Vaut mieux être jeune pour une mise de 1 euro sans le multiplicateur. Bon, évidemment, je conseille le multiplicateur qui a changé. Le multiplicateur max, maintenant c'est 5 et non 10, comme avant. Pour le deuxième rang, on va dire avec 9 numéros, c'est une chance sur 387 197. Pour 40 000 euros cash ou 2 000 euros par an à vie avec une mise de 1 euro sans le multiplicateur. Évidemment, je conseille le multiplicateur pour 1 euro de plus. La mise est pareil, on peut toujours miser plus en mise initiale. Il y a également deux autres jeux nommés Keno qui n'ont rien à voir sur le site de la FDJ. Keno Atlantia. C'est une chance sur 846 814 de gagner 50 000 euros. Bon. Pourquoi pas. Enfin, en fait, on est dans les à peu près dans les mêmes eaux que le Keno avec Keno classique avec ses 9 numéros. Ouais. Bon, pourquoi pas. Et Keno Mystère. Et avec, c'est une chance sur 1 708 993. Par contre, là, ça fait beaucoup pour gagner pas grand-chose. N'oublions pas le Joker Plus. Alors maintenant, on ne peut plus choisir ses propres numéros. Je ne sais pas trop pourquoi, car c'est désormais un jeu flash. Et pour le Joker Plus, il faut avoir la bonne combinaison des 7 numéros. Ici, j'affiche avec 7 numéros et l'option plus ou moins 1, c'est un gain de 250 000 euros pour une chance sur 10 millions. Une chance sur 10 millions, c'est énorme. Alors, je vous laisse mettre sur pause éventuellement. Sinon, pour le Joker plus 100, l'option plus ou moins 1, de toute façon, c'est toujours une chance sur 10 millions pour une mise de 1 euro. Alors, il y a quelques petites différences pour les rangs en dessous. Bon, moi, je conseille quand même de mettre le plus ou moins 1. Ça fait 1 euro de plus, mais bon. Mise à feu. Oui, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos. Bon, il faut dire que je n'ai pas regardé dans le détail, mais je dirais que c'est un jeu gagne-petit. Apparemment, les gagnants sont tous les joueurs qui ont misé sur la fusée dont la couleur a été tirée au sort. Ouais. Peut-être qu'un jour je regarderai ce jeu. Et la probabilité qu'une couleur soit tirée au sort augmente en fonction du nombre de joueurs ayant choisi cette couleur. Moi. Et il nous reste la partie des jeux de tirage et grattage en ligne. Là, ça s'affiche à l'écran. Ce qu'il faut retenir pour les jeux qui n'existent qu'en ligne et donc pas en point de vente, c'est qu'on a un peu plus de chances de gagner en ligne, mais effectivement, ça dépend des jeux. Donc c'est les jeux qui sont là affichés tout en bas. La plupart des jeux en point de vente existent en ligne, et c'est forcément les mêmes probabilités théoriques de gagner. Pour les jeux de tirage spécifiques en ligne, certains jeux sont intéressants si on regarde les stats, mais c'est toujours pareil. En règle générale, plus vous avez de chances de gagner, moins le montant des jackpots au premier rang est élevé. Après, il faut compter sur sa bonne étoile. Donc j'espère que vous avez une bonne vue d'ensemble de tous les jeux FDJ. N'hésitez pas à poster des commentaires. Si vous avez des interrogations, je répondrai. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne Jeux, FDJ et Voyages ou sur mon compte Facebook pour les toutes dernières news FDJ. À bientôt !